cause. Ça fait un paille comme blues. On pousse les 12 dans la main gauche. La droite tire une sacoche. Rift dans quelques crosses. Maintenant des boss, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, gosse, c'est mon goût. Regard figé sur la banque. Si je, putain, faut pas que je me manque. Planqué parmi la foule, pas confiant. J'avance, les hams, je les sens. J'en vois un, plus deux, là, trois, cela seront mes proies. Tout ça est pied, j'ai fait le détour. Jusqu'ici, tout est bon, mon sac est lourd. Calme, je le dépose, puis je cours vers le premier. À la place, on occupé. Pas de bruit, je saute un mur. Sur ce qu'on a l'air occupé, j'ai coupé. Sa ligne de vie, ce que je vis après m'a surpris. Mais faut que je continue. Le stress s'accentue. Une messe fournie, demain sera rendue. Pendu sur une branche, un bronzé sort d'un fourgon, soudain tout s'enclenche. C'est que je suis là, faut que j'improvise. Si là, non, ça doit être. Il doit être plus que 6 revenus. Le bronzé, je l'ai reconnu. Le dernier coup, le dernier cri, la dernière chance de ma vie. Le premier coup, le premier regard, je lui hâte la vie. Personne va se mettre à travers, personne. Le revers de ma personne grogne. Faut être clair, mon visage du mal. Je dois me concentrer, efficace. Les sacs de poubelle feront l'affaire pour ses épaves. Sous terre, avec ou sans, c'est pas grave. La lame dans la main droite, cachée sous le blouson. Je pointe jusqu'au fourgon. En boîte, des mots de garçon. Le premier, le chauffeur. Ensuite, la porte s'ouvre, des gaines silencieux. Vite le chargeur, quatre montées aux cieux, vous chargez. Comme dans le sac, les radios en vac. Je laisse tout, la portière se claque. Dehors, mon bonheur n'est pas loin. Dehors, je finirai à Rio, le jardin plein de sang. Dehors, la foule s'est partie. Dans ce bâtiment, c'était ma vie. Il y a plus de sentiments. Vivement ce soir, et tu penses. Allez, je dois pas craquer. Le grand porte se présente, bien propre. Distingué, drage, je m'alimente vraiment à l'escalier. Je monte, premier. Je m'attendais pas, l'accueil est parfait. Dégain. Organisation, pas que j'attire l'attention, sinon y'aura des sanctions. Je me dirige vers le dépôt, je tombe sur un pivert, pauvre frigo. Je fais diversion, je fais semblant d'appeler. Hey, il se retourne la giclée, tout ça me salit. Je m'arrête pas, le temps est compté. À n'importe quel moment, on peut me guinder. Enfin, la porte qui m'intéresse. Enfin, devant mon stress. Je tape en ouvre. Le couteau planté dans la gorge, je vois où je bouge vers le deuxième casier. La clé trouvée, direction le coffre. Merde, le code, c'est bon, je l'ai, je l'ouvre. Devant moi, les sacs, je prends tout sans poser de questions. Même les billets, fils, sort du bureau. Allez, grouille, ça y est, le plus dur est fait. À présent, je sens les kilos. Le dernier coup, le dernier prix, la dernière chance de ma vie. Le premier coup, le premier regard, je lui ôte la vie. Personne va se mettre en travers, personne. Le revers de ma personne grogne. Après ma ronde, je rentre au bureau. Là, personne, pas normal, ça va pas. Rien n'est comme convenable, comme d'hab. J'ai le pressentiment que je suis dedans. D'un coup, je le ressens comme un flic sans tout. Le flou, tout est dessous, malgré les faits. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle pourriture? Plein de traces sans sur le mur. À coup sûr, j'en suis sûr. Y'a pas de figure, rien sur les écrans. Putain les diamants, j'ai pas le temps. Sonne l'alarme, je cours vite au dépôt. C'est là que le magot en haut promet. J'arrive d'entrée, devant l'entrée. Le type au consigne d'entrée. S'est fait avoir de ce coup à remis une fois. À terre son corps froid. Rien qu'à voir sa gorge en piteux état. Il n'a pas eu le temps de souffler. De bouger. Il est trop tard, pensez à lui ici maintenant. Personne ne bouge, personne ne touche rien. Chaque détail pour faire plonger cet homme de l'ombre. Ce félin, ce malin. Soudain j'ouvre le tiroir. Plus de clé, code fait. Dans ma tête faut plus compter. Tu veux m'esquiver, je sais qui c'est l'expert. Ce mercenaire, mon ex-partenaire c'est sûr. Allô, qui c'est? Oh ouais, c'est moi. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Arrête de faire semblant. Dans le commissariat, tu sais, c'est ton style, c'est ta manière de faire.